Salut les inconnus, ici Akno, on se retrouve Eh, pour le let's play vous avez déjà essayé Ghost Recon Wildlands. Si c'est vous qui faites, n'oubliez pas le petit like, le commentaire, le petit partage, ça fait plaisir. Et on se retrouve en compagnie de Wolf. Et officieusement, deux fois, juste Salut. Pour voir ce que ça faisait. Attends, ça va depuis? T'as sniffé deux fois juste pour voir ce que ça faisait? Bah ouais, la première j'étais depuis trop fondé pour me rappeler, alors j'ai dû remettre. Oui, ça va, et toi? Depuis il n'y a pas longtemps effectivement pour nous, parce qu'on enregistre à la suite, vous vous doutez bien. Et voilà. Donc, comme vous avez pu voir sur la première vidéo, je me suis mis un petit format d'une petite vingtaine de minutes. Donc, pour les personnes qui regarderont, vous me direz si ça vous convient ou pas. Donc, on continue pour arrêter et... arrêter Yuri et Polito. Let's go. Hop là, donc comme j'avais dit dans le premier épisode, on fait l'histoire principale. Je pense qu'il y aura des épisodes où on fera que des... Parce que dans le jeu, il faut farmer aussi. On va bloquer, bloquer. Ce qui est tout à fait logique. Après, je sais pas. Je tenterai de mettre une session où on farm. On fera que du farm. On verra. C'est bon, il y a une voiture dans... Non. Il y a vu des phares en pleine forêt. Je sais pas, je bug. Ben, si tu veux le voir, tu viendras regarder la vidéo quand elle sortira. C'est de la pub ça? Non. Je ne vois pas si de tu veux voir des phares de voiture, regarde. Kilomètre 5. C'est un convoi en plus. Comment? Ah ouais, c'est le convoi. Il y a un convoi en plus. Le faux faux, mais il faut se poser là. On va venir vers ici là. J'aime pas les convois. En plus c'est une super astuce. T'as vu, c'est facile, je suis allé en bus là. Atterrissage aussi. Oh, c'est bon. Donc, moi j'enlève mon silencieux. Yes. Parce que il sert à rien et on a besoin de faire des dégâts. Le zoom, pas besoin. Enfin quoi que. Toi tu descends, mais descends toi. Ouais, ça fait un petit joli embouteillage là. T'essayes de... On fait moi quoi, je bloque... Qui est arrivé à Sandoval. Putain le mec quoi. T'as le lance-grenade toi? Non. 6 ans en sous-marin, c'est vrai que c'est chaud. Imaginez tous les trucs bloqués. Tu bloques leur véhicule avec l'IUM. Et après... J'ai pas d'IUM. Après on les descend. C'est moi qui ai eu un cargaison de coke arrive au dealer. Alors qu'au départ... Je suis au bord de la route du vide. C'est ça que tu casses les roues tout de suite. Comment il a pu vivre avec ça aussi longtemps? Non, attends. Bah, c'est peut-être justement pour ça qu'il est mort. Attends, je vais utiliser l'IA. Attention, le camion. Je repère des véhicules de l'Unidad sur la route. Une patrouille standard et une unité de transmission. Je vais utiliser mon drone, il veut plus. Mettre la main sur ses radios. Qu'est-ce que t'en penses, chef? Oh putain, il m'a écrasé. Oh, fuck. Mais j'ai buté le... Normalement, je crois qu'il tuait le pilote. J'ai fait un kill. Parce qu'il faut pas tirer sur le camion. Ah bah, si le camion est beaucoup endommagé, on J'ai juste cassé la vitre. Perd des ressources. J'ai juste cassé la vitre. Ah, ça compte quand même pour beaucoup de dégâts. Ouais, mais ils sont où les méchants? Ils ont eu peur de moi. Tu foutais. T'es normal, je vois pas moi. Ouais, moi ou non sinon plus. Ils sont dans leur véhicule. On a été dans leur véhicule. Ah, le camion est reparti. J'ai cassé les roues. Il aime sa Leur lieutenant essaie de s'échapper. Bon, ils auront des renforts, je prends le camion, ok. Faut juste... conduire.
Faut pas rentrer, hein. Venez. Allez où? Faut juste baliser. Sécurisé, on peut dégager. Il suffit de dire aux rebelles de passer récupérer le matos. Pour moi. Pack ici nomade. Le convoi est à nous. Gracias. Gracias. Nous ferons bon usage de ces provisions. Mes hommes recherchent la Yuri et El Polito. D'ici là, vous pouvez faire autre chose. J'ai préparé un discours pour le peuple de Bolivie. Un appel aux armes que nous diffuserons depuis Itaqua. Ok. On va enchaîner tout de suite l'ami de la, mission. Qui est... Ah ben on peut l'enchaîner direct. Ok Katari, on fera le nécessaire. Tu vois pas sur la mission Wolf. Je sais pas, quand t'es là, quand t'as lancé. C'est celle juste à côté. Ouais. Ça c'est... Ah bon, on doit récupérer un hélico là non? Ça a pas lancé. Voilà, la tête là. Bah ça fait mission accomplie. Rebelle terminée. J'ai pas 150 XP. Allez, on le détourne et on ramène sa cargaison aux rebelles. Mission actuelle. Arrêtez la marque du convoi. J'ai toujours le truc du convoi. Tu peux pas relancer? Bah là c'est bon, j'ai relancé. Ah, j'ai reclipé des... J'ai relancé et ça a fait... Là, j'ai vu que ça t'a rejeté encore. Je repère un petit groupe d'ennemis. J'envoie un autre. Mission accomplie. Vous avez eu 350 XP. Ça arrête pas de faire mission accomplie. Waouh. Bah, c'est pas grave. De toute façon, la mission est pas... Non, c'était quoi? C'était la mission 2, ça? Ouais, collecter des informations, là. La mission est entièrement indisponible. Quitter la zone. Bon, ça rapproche un peu, là. Cible numéro 5. Bah de toute façon on les a. Je les ai battus. Attends, j'ai passé l'autre côté des hélicos là. J'ai oublié de mettre mon sniper, mon silencieux. Leur officier fout le camp. Non, il veut prendre l'hélico. Non, ils ont pas pris les coups alors. Non. Ils ont la flemme. Oui, ils ont peur. Les rebelles vont être en train de faire avec. Faut plus ton sang. Merci. Tout pété. Ouais. C'est une balle perdue. Bon, heureusement que c'était passé la mission principale. Voilà, les explosifs. Hein. C'est bon, on est tranquille. C'était une des missions principales. Ouais mais non, c'était pas pour ça qu'on était venu. Ah bon? Ouais, je suis venu récupérer la photo de Yuri et de Polito. Alors on va mettre sur les points de compétence. Ouais, quand je disais des épisodes que pour farmer, c'est ça le farming, hein. C'est récupérer des infos. Et comme ça, bon, il y a toujours de l'action, il y a toujours des trucs à faire. Hein. Mais il peut même récupérer en pleine mission hein. Bah comme là obligé dans la mission et... un petit moment chiant mais bon je vais pas m'amuser à revenir ici plus tard juste pour ça quoi. Pas trop chiant hein. Non mais vite c'est pas forcément intéressant à regarder. Yep. Bon collecter et là c'est bon, je suis sur une autre mission. Collecter les trucs ah mais je... attends. En fait je dois récupérer les infos sur eux ça. Ok. Mission accomplie, 350 XP. Ok. je fais ça tout le long du jour. Encore 350 XP, attends je reviens dessus. Et ça qui, mission accomplie, 350 XP. Heureusement je suis déjà level 30 hein. Un nickel game. Ok c'est pas grave. Parce que... Voilà il a déjà fait certaines missions. Surtout celle-là, la première mission. J'ai fait toutes les missions. Donc, il a
fait aucune pour l'instant, mais parce que vous voyez, mon corps est vierge. On va à pied. Yep. Histoire d'être un petit peu discret, hein. Une deuxième cible. On arrive à 5. T'es sûr que t'allais tuer celui-là? Bah, pas m'emmerder, c'est le seul que je voyais pour l'instant. Ah, moi, si j'ai pas mon silencieux, là. Il n'y a pas beaucoup qui a entendu, j'ai géré. Hein. Je crois qu'il n'y a que celui qui était là-bas, il a entendu. Ah, bah là, c'est mort. Ah, t'as vu un cadavre? Ah, bah, là, c'est mort. Non, c'est juste que j'ai raté. C'est bon, tout le monde va bien. Bingo. Un cactus. Ah, je traverse pas le bois. Un cactus en pleine. Oh, des silencieux. Yep. Qu'est-ce qu'un cactus fout en plein bois? Infos. Je traverse même le mur. Le mur. Ah bah, pardon. Le mur. Ah bah ouais, il avait été dédié à deux murs. Ça traverse un mur mais pas deux. C'est bon, on est tranquille. Oh là, j'étais oublié un peu les renforts là. Des renforts ennemis arrivent. Terminé pour lui. J'ai l'emplacement d'une station réseau du cartel. Terminé, on va lui régler son compte. Il est quand même pas gêné, le petit père Katari. On lui donne le doigt, il demande tout le bras. S'il arrive à localiser Yuri et Polito, ça vaut le coup. Allez, à nous de jouer. Ok, on enchaîne. Là, je vais prendre le 4 là. Activer et défendre la radio rebelle. Mais je suis toujours sur la mission principale. Parce que... hein. Je sais pas, on peut pas en faire rejouer la mission? Si si, non mais c'est la suite. Oh, on reclique sur un autre. Non, parce non, que là c'est... depuis que... C'est une mission que je suis obligé de faire pour... recherche d'informations et tout ce qu'on a comme ça. Pour la deuxième mission. Voilà. Il y a entendu un cochon. Un cochon? Attachez vos ceintures. Par contre, la bande son du jeu est très très bien, mais personnellement, ah bon, t'as téléchargé? Non, mais je veux dire, voilà, le jeu ici, les radios que vous retrouvez dans les voitures sont bien. Hein. Je pense que ça reflète bien la Bolivie. C'est pas bon. Tu veux écouter quoi là-bas? Les Kim Park, c'est que quoi? Scène, Eminem, Drake, la base quoi. La base. C'est pas la base dans tous les pays ça. Un petit Rihanna, un petit Madonna. Ça encore peut-être. Oui, mettez plus de missions. Le Radio Rebelle, c'est pas là. Ah, ici c'est le dossier à récupérer pour avoir des infos sur les ça. Ouais. Ah, un petit camion. Il faut que tu prennes un grève comme ça, actuellement, comme ça. SP. Je vais dépasser une petite voiture VR-com. Quelle bombarde! Pas trop de puissance dans la côte, mais bon. Ah, le truc qui roule bien, il en est. Tu enlèves ce moteur, tu mets ça sur une pile d'eau, c'est bien ce moteur. Ça a l'air un peu trop pour le moteur. Il fait la pile. Ah, d'habitude dans la montée là, d'habitude les autres véhicules montent tranquille. Des fois je vois un véhicule qui prend le temps pour monter. Il n'y a pas
4 mètres. Entre tous les véhicules que j'ai vus, il n'y a que la moto d'habitude qui prend le temps pour monter dans les pentes. Ça va bien juger, tu sais ça. Ah, je fais la pub. La pub pour Automoto. Non, pas pour Automoto, là tu fais la pub pour Moto. Si, si vous voulez voir plus d'informations, tu regardes l'émission Automoto. Pour l'arrêter. Oh, pas de... Pas de ça ici, hein. Non, non, non. T'es partenaire Automoto. T'as qu'à mettre des bips de la vidéo. Lol. Allez, let's go. Je lance la mission. Celle-là, j'ai remarqué à chaque fois qu'on la faisait, on n'était pas fameux, hein. Ouais, faut bien protéger le truc qui est sous protégé. C'est chaud. Rejoins la mission. Bah depuis tout à l'heure ça rejouait pas. Ok, bah il faut voir la tienne. Quoi, tu me vois jouer toi? Ouais, bah ouais, c'est ma petite une mission. Toujours pareil. On est plein dedans. Si on sait ce qu'on a à faire, c'est le principal. Là, il parle pas. Moi, tu es bah, dans les mines. Allez, on fait le ménage et on avance. Des balles et des grenades. C'est quoi? Elle s'attire. Mais ils sont un peu moins violents que d'habitude, hein. je sais pas ce que... Dans la bêta ils étaient beaucoup plus... C'est d'habitude dans la bêta. Peut-être parce que d'habitude, là, habituellement on joue ça à deux et là t'es... la mission est tout seul. Peut-être aussi. Parce que la mission... Ouais, officiellement on est... Toi aussi non, de ton côté non? Ouais, j'ai pas... Non, j'ai pas le chrono rien moi. Ah. À vous les studios, ça va mettre la patate aux rebelles. Ok. Bravo, compadre. Nice. Victoire est donnée dans toute la Bolivie. Les alors, civils vont bientôt affluer en masse. On va essayer de faire une dernière petite mission avant de vous laisser. On a quoi qu'on peut faire là? Déjà j'ai des documents récupérés. Là maintenant il est marqué t'es en exploration. Ok, bah là, là t'es marqué t'es en mission depuis tout le long. Si vous avez besoin d'eux, appelez-les et ils viendront. Je t'achèterai de mon souvenir. Le briefing est fait. Est-ce que je peux faire la troisième mission, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Briefing en cours. Ok, tant que le briefing n'est pas fait, je peux pas. Moi, ce que je te propose, c'est de récupérer le document à 100 mètres. Là, je suis en dessous. Ça, c'est ce que j'appelle de la bravoure. Besoin. Pour les punir, la femme Tablanc a rasé chaque maison et exécuté tous les villageois. Putain. Mon lieutenant est toujours en vie. Sûrement en attendant de se faire tuer de façon encore plus immonde. Bien compris. On file direct à Kulta. Camaradas. Ok. Voilà, je peux normalement faire la mission. Mission. Je regarde vos visages et je vois les cicatrices creusées par la Santa Blanca. Mission. On nous a volé. Un rebelle que le cartel retient prisonnier dans le village de Kulta posséderait des intels exploitables sur la Yuri et El Polito. Libérez-le et découvrez ce qu'il sait. Réduis nos vies aux cendres et au sang. T'es où? Le sang du peuple bolivien. T'es où? Et je t'attaquais. Je menace le mec avec un sniper. Attends, il y a un groupe qui vient.
Alors, c'est l'histoire de deux soldats. Tout le monde, petit gars. Oh, putain. Donc, c'est l'histoire de deux soldats. Le premier demande à l'autre, si tu savais qu'une bombe atomique allait sauter dans 5 minutes, qu'est-ce que tu fais du temps qui te reste à vivre? Je désamorcerai la bombe. C'est très rapide. Ils peuvent pas, voilà. Mais pourquoi ça? Parce que c'est une blague. Simizu. Le premier demande ce que l'autre ferait des 5 dernières minutes de sa vie. Le deuxième gars réfléchit un peu. Oui, de toute façon, du même mal qui commence par assumer aussi. Autant crever avec une fois barou. Alors je baisserai un premier qui bougerait. Et après, le deuxième soldat. Je dis ça, je dis rien. Et toi, qu'est-ce que tu ferais de tes 5 dernières minutes à vivre? Et le premier, il fait. Ah là là, le ralenti à la fin, c'était marrant. Je sais pas ce que tu as vu toi à la fin, moi j'ai vu un ralenti. J'ai vu il tomber en bas. Ça fait un ralenti sur les 3 mètres qui restaient. Toucher le sol sans qu'un bruit et paf. Ça a été. Aujourd'hui, je prends le nom de Pat Katari. Putain, t'imagines, c'est toi qui t'écoutes comme ça en bas. Aussi, t'es dans la voiture de quelqu'un qui est comme ça. T'as pas une place. Ça va bien. Quand, tu sais, genre, lendemain de soirée, après une soirée, quand t'as le mec qui te dit, ouais, pas de soucis, je te dépose. Et il te fait une conduite comme ça. Bon, même si la voiture est en train de couler, je descends. On va rajouter quelque chose. Et on voit même le moteur. Il n'a pas l'air de tourner ton moteur. Non, je ne regarde pas le moteur. Mais bon. C'est les moteurs électriques. C'est un nouveau modèle. Pas comprendre, c'est une nouvelle technologie. Pas l'air d'être gros passe électrique. Tu m'as vu aller faire l'essence? Non, t'as vu en Bolivie toute l'électricité en ouf toi. Ouais, genre hey, j'ai passé 45 ans de ma vie en Bolivie. Moi je m'y connais, hein, je suis spécialiste. Ah bon, t'as pas 10 ans toi? Abuse pas quand même. 10 ans. J'avais 10 ans il y a 2 ans. Ah ouais, cette mission, j'aime bien cette mission là-bas en plus. Et là j'ai fait écraser par la voiture des gars. Eh ben non. Coulta est toujours en train de traîner. Tout le monde, voilà, ça, ça. Trouvez-moi le rebelle qu'ils ont enfermé ici. Oui, des pas des jours. Bon, je fais le repérage là-bas. Là-bas, c'est un sicario. Là, près des ruines. Cible numéro 2, marqué. J'envoie. Mais déjà, il y avait plus de personnes avant. Cible numéro 5. En plein dedans. C'est comme qui dirait au Vietnam. Ça a paru après. C'est comme qui dirait au Vietnam mon sniper. Mon silencieux plutôt. Un cœur. Ça arrive même au meilleur, hein, donc. Ah mais pas plusieurs fois. Ah t'as l'air c'est toi. Ah t'as l'air c'est toi. Et après. Ça fait quoi, deux fois. Mais tu vas mourir, oui. Tu vas mourir. J'aime bien parce que genre là je suis, je vise des personnes quoi, mais je les regarde même pas. T'as enlevé ton silencieux maintenant là? Non. Ça fait le repager hein. Autant au cas où s'ils sont derrière un mur, au moins tu peux descendre quelques à travers le mur. Yep. Okay.
C'est toi qui mets où à toi? Allez, allons sauver ce... notre agent. En vrai, c'est même pas notre agent, c'est un membre du cartel. Non, du... de la rébellion. Là, c'est le numéro 5. Clean. C'est bon, ça va, vous tenez le coup? Yes. Quel baltrain. Hey, Gringos, sortez-moi de là. Allez, sort. Ça va, Hermano? Qu'est-ce que vous me voulez? Yuri et Polito, le couple de connards qui t'a torturé. On veut leur faire payer ce qu'ils t'ont fait. Pour ça, il faut qu'on sache où ils t'ont emmené. On n'est pas allé loin. C'est tout ce que je peux dire. Et il n'y avait pas de bruit. C'est un endroit isolé. Maintenant que t'en parles, il y avait une odeur. Trop d'air. Une peau de bête. C'est tout ce que je sais. Une odeur. Je suis désolé. Peau de bête. C'est pas grave. Là au moins on sait qu'ils sont pas loin. Gracias. Gracias, señoritas. Yes, vive le travail d'équipe. Le travail d'équipe. Ça a tout commencé un peu bizarrement. Bon, les amis. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé cet épisode encore une fois. Je vous remercie, c'était un nouveau épisode. De... Et... Wolf. Et Fox Shadow. C'est ça, Fox Shadow, Wolf Shadow. Ça... Ouais, plusieurs Shadow. C'est à votre guise. Toujours Shadow dans le tas, quoi. C'est ça. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao bye Simien, c'était un no. Ciao bye Simien.